Oh, ça ne saurait tarder. Ah, bon. Ouais, je sais pas. Bon. Un PC portable ou un PC de bureau? Ah, bah voilà, j'attendais qu'on pose la question. Ah. Un PC. Bah, le PC portable, tu peux me le mettre sur le bureau. Un PC fixe Il alors? n'est pas évolutif, tu triches. Un Oui, PC c'est. bureau, tu peux le faire évoluer Alors en RAM. moi j'avais présupposé que c'était un PC fixe que tu t'étais acheté, Warki, mais peut-être que je me trompe. Le temps qu'on réfléchissait à la question, Eagle nous a quelque peu devancé avec cette question Ah. bien placée. Non, je ne regarde pas de porno avec, donc oui, c'est un PC fixe. Ah, ok. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, je me suis pris un Ryzen 7 en gros. En 2 Go, tout est rediscuté. Donc, non, je le reçois mercredi. Oh, ça marche. Il y a un PC tout monté alors du coup. Ouais, il m'a pris 80. Bah, j'ai tout pris sauf la carte vidéo. Parce que j'ai pas les moyens et ma carte vidéo, elle a encore garanti 1 an et demi. Ah ouais, elle est toute. Puis c'est un beau truc, donc elle a vraiment pas l'utilité, puis j'ai vraiment pas les sous pour. Hein. Bah si elle fait le taf, c'est principal. Y a un motard qui arrive sur le pont? J'ai tué. Donc du coup, parce que voilà, tu sais, c'est des PC qui rentrent pas dans le sac cabas. Et moi je suis à vélo en fait, si j'ai pas le permis. Donc il va me le mettre, il va me le livrer devant chez moi, quoi. Ah bon, nickel. Ouais, hyper content et tout, quoi. Bah tu me diras où tu restes, je vais aller le prendre avec toi comme moi. T'habites dans le coin du Nougat Ouais, c'est ça, 26 200, ouais. Oh, c'est facile à trouver, Robert hein. Sablé, c'est bon. Montélibar. Hein. Une belle ville d'ailleurs, j'y avais été il y a longtemps. T'avais un magasin, c'était le moins cher de tous les nougats, c'était le Chaudron d'Or. Je sais pas s'il existe encore. Ah. Une idée, il y a au moins une dizaine de magasins, mais faut que j'ai regardé sur les pages jaunes. Le Chaudron d'Or. Apparemment, Warki ne mange pas de nougat. Moi, j'ai été choqué. Bah, je pense qu'il y a personne qui mange du nougat à Montélimar. C'est que les touristes. Ouais, voilà, c'est ça, hein. C'est dommage. Ouais, c'est quand même pas Ah, mauvais. je connais Ouais. bien quand même. Les bêtises, oh oui. Où tu penses, c'est les bêtises de Cambrai. Mais bon, je préfère les Bob-Lutz, hein. Franchement, c'est meilleur. Oui, elles sont bonnes aussi. C'est Les Bob-Lutz, c'est Alors, les quoi? Bob-Lutz, pour ceux qui ne savent pas, c'est des sucettes au caramel flamand. Ah, ok. Oui. C'est eux qui font aussi à la chicorée, non? Ouais. C'est quoi? C'est au sirop d'érable avec de la neige ou c'est autre chose encore? Dans les trucs flamands, c'est en C'est tout cas, ils plutôt ont pas belge, d'érable. hein. Disons, oh, L'Allemagne, le flamand. ils ont des bons petits produits, hein. Oh, tout offert, ouais. La carbonate flamande, le potloflèche, le waterzooi, Plein de le trucs que je ne bablut. connais pas. Alors, Et la carbonate flamande, c'est très bon, ça, c'est un mmh, ça. plat C'est à base de. un peu comme un bœuf bourguignon, mais à la sauce belge. Le vin, tu le Ok. remplaces par bière. Et Voilà, beaucoup de tu pain de glace. marines les morceaux de bœuf. Et au départ, c'est la viande de cheval. Si tu veux la vraie carbonate, c'est la viande de cheval, déjà. Oui, Et si. tu fais mariner 24 heures avec de la bonne bière, puis des rondelles de carottes, un peu de genièvre aussi. Et puis après, tu fais cuire pendant 3 heures à feu très très doux. C'est quoi, c'est vin rouge alors du coup, c'est quoi le truc? À la Non, bière? la bière, Bière, tu mets de c'est la de la bière. bière, ouais. La bière blonde. Comme dans la marinade, que tu fais cuire avec. Une bière belge, si possible. Ah, il Ouais, tente un APC. Certainement pas c'est un du vin. bourguignon à la bière. APC Voilà, ouais, à quel niveau? c'est Et oh, non, vous? mais c'est bien résumé, comme t'as dit. Mais c'est à l'origine, c'est avec de la viande de cheval. Que dans le nord, tu le trouves plus avec de la viande de bœuf. C'est bon, en plus, moi j'ai adoré. Oui, avec des bonnes frites cuites au pain de bœuf, c'est le Oh, top, le top. oh oui. C'est quelle partie du cheval, du coup? La Ah, tête. bah, Bon appétit, bien sûr. Oh, ah, j'ai pas très faim.
Non, c'est Ouais, je sais, ça pourrait pas dire. La partie rôtie, quoi, à peu près. Ouais, ok, y a pas... c'est pas la langue, c'est pas le cerveau, c'est pas. Non, c'est pas le jarret, c'est pas tout ça. C'est l'anus. Oh, qui t'a pas honte, hein? Et, ouais, et 2-3 kilos, donc ça en fait des nanus. Bah, des chevaux, il doit pas avoir grand monde qui en mange encore actuellement. Hein. Ah, ouais, avant, il y avait beaucoup de bûcherie chevaline dans le Nord, mais il y en a beaucoup moins maintenant. Hein. Ouais, il y en a un. Ouais, y a Huchin qui est très bien. Bon, je suis en train de caper C3, on est 1 contre 1 là. Il pourrait peut-être me donner un petit coup de main. Ouais, moi, je vais te donner un ordre. Ah, c'est bon. Il y a trop tard. Alors, moi, je vais faire des pommes de terre farcies. Ah, bah, c'est bon. Farcies. Oui, c'est bon. Tu prends des bonnes binches, tu les creuses, et puis tu... Moi, je mets des lardons, de la crème fraîche. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. En fait, j'ai déjà mangé des tomates farcies, mais jamais des pommes de terre farcies. Ah, bah, tu vois, c'est pas compliqué. Bon. Un peu comme les champignons ou même les tomates. Ah ouais, bah, là on est sérieux là quand même. J'écoute ta bonne recette, je suis tout. En fait, faut que tu épluches les pommes de terre et tout, tu vois, tu prends les pommes de terre normales, tu peux pas prendre des congés, tu vois, il faut des grosses pommes de terre. En fait, tu prends un dénoyauteur de pommes, tu vois, et tu fais un trou dedans. Et en fait, t'achètes de la farce à viande, et tu mets carottes, persil. Ouais, c'est ça, carottes, persil, viande hachée en gros. Et les pommes de terre, en fait, faut que tu les dors sur du beurre. Donc c'est important de mettre du beurre et de la margarine. Bah oui, et après, ils dressent des boulettes de viande et tu les farines, en fait. Les farines et tu les fais cuire dans le beurre. Et après, fais tout bouillir, en fait, dans du fond d'eau avec de l'eau. Donc c'est la viande hachée dans des pommes de terre, en gros. Il y a personne qui fait ça. Ouais, c'est moi. Non, moi je suis pas de loin. Non, mais qu'est-ce que tu fous dans la PC? Bah, je suis une clope. T'es pas très loin quand même. On pose des questions ou pas, Draki? On est 5 contre 5, 6 contre 1 sur ces 4. Ah, crotte. Oui, je m'attendais à voir de l'action, quelqu'un qui bouge. Non, parce que je poste un APC immobile, ça fait 2 minutes. Ah, c'est la cacher ta clope, hein, ça va. Il faut des moments calmes aussi. Ça serait cool que tu joues avec nous, Draki, pendant une seconde. Du coup, j'ai regardé la liste de Loïc Polo. Ah, c'est pour te faire plaisir que je bouge tranquille. Ouais. J'aime mieux regarder les gens souffrir que souffrir moi-même. Haha. Un petit peu sadomaso. Oh oui, fais-moi mal. Fais-moi mal, Johnny. Johnny. Ah, oh je vois cacahuète. Il y a un sniper là, il est vicieux comme tout. Attends, mon gars. Là, sur ma gauche, il va avoir un fantassin à pied. Pour une. On va spotter un Stuart là si vous avez des droits morts. On a un anti-char à la sortie du spawn. Ah, fais attention devant toi. Il y a un véhicule civil à droite. Qu'est-ce qu'il dit, Draki? Il est pas dans le jeu là. Si, il participe, il rame pas au Québec. Il me perturbe là. Il a la vue de Warki en fait. C'est ça, j'ai la vue de Warki, je regarde son streaming. Ah, ok. En vrai, c'est pas compliqué, hein. Tu laisses les trois en vocal et tout jouer, et puis toi, t'attends en fait dans le PC. Hein. Alors, il y a un petit Stuart là. Ah, ouais, je l'ai spoté là avec ma petite lunette. Il a reculé. Sors la tête, petit bonhomme, sors la tête. Que je te vole ton Stuart. Sors la tête.
piti. Oh, mais tu es très très abîmé, il faut te réparer, petit Stuart. Viens ici. Viens ici. Ah, attention, derrière lui, Andrew. Ah, t'as une Jeep sur toi, Warty. Ah, je le vois, je vais essayer de le ramener devant le tank, il va faire le kill, je pense. Ah, si tu l'as fait sortir à couvert, je la tue. Il est pété maintenant, le Stuart, je pourrais pas te le voler. Il est vraiment pas hydro. Je la vois plus. Elle a dû te lâcher. Ah. Là, il rentre en bas ou les maisons. En bas, ça passe. Ah, elle est là, le fantassin est descendu, probablement. Je le vois. Ça va passer sur le pont. Il y en a quelques-uns qui traînent sur le... Ils sont deux. GG. Ouais, j'ai eu. J'en ai eu un. Vous ils sont encore deux. Perdre ces D4. Ouh, ça sent la PC, pas loin. Il y a beaucoup de troupes par là. Ah, c'est ça, t'as les yeux pourris maintenant. Et du coup, pas que ça se fête ou pas au Québec? Bah, on a un congé férié à Pâques. Le vendredi saint et le lundi de Pâques. Ah, ok. Ouais. Mais je veux dire, c'est beaucoup... au Québec, on est rendu beaucoup moins traditionnel qu'à l'époque. À l'époque de nos grands-parents, c'était différent. Aujourd'hui. Chasse aux œufs ou puis ça, avec les enfants. Bah, nous, pareil. Hein. Et... La seule chose qui a d'intéressant pour des enfants aujourd'hui, c'est Noël encore. Il y a beaucoup de monde sur le pont. Pas grand chose. C'est plus bon à boire qui L'Halloween. C'est quoi ça, l'Halloween? L'Halloween? La fête de tous les saints. Ah, Halloween? Ouais, Halloween, comme ils disent. Nous, ça, c'est pas trop. Enfin, à Montélimar, ça se fait pas trop, en vrai. C'est bien. C'est la fête des morts, normalement, c'est ça. Y a personne qui vient réclamer des bonbons. Ouais, c'est la fête des morts, enfin, la fête de tous les saints, quoi. La Toussaint. C'est rendu commercialisé par les dentistes. Les Américains. Par les dentistes. Mangez des bonbons et venez nous voir. Ouais. Voilà, mangez des nougats. Comme ça, vous allez tous vous faire sauter les dents. Ça laisse, c'est bon. Hein. Prenez du dur. Le dur, le dur, le très dur. Merde. Moi, je suis un peu camping, là. Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Il y a une auto à mal week-end, là. Ah, attention, il y a une Jeep qui vient vers toi, je l'entends. Ils sont deux, les bâtards. J'arrive. Ah, c'est bon, j'ai les deux. Belle Jeep. Ouais, ça passe, genre, j'ai jamais trop essayé. Ah, ça passe. Ouais, ça te tire dessus, hein. Ouais, ouais, putain, Peter, ils sont plus. Ouais, attends. Je l'ai eu. Ouais, ils vont me tuer, ils sont des deux côtés. On est autour de ton APC, Warky. Hein. Ah, merci, ouais. Ouais, ouais, je vais me reculer encore. Ouais, recule, putain. Je vois pas d'où ils tirent, par contre. Ouais, ça arrive, il y a encore deux jeeps qui sont passés là, sur la gauche. Ouais, bon. Ok. Je finis de m'occuper du Heizer là. Ah. Voilà, il est réparé. Oh, attends. Ah, moteur, mais refais le moteur, patard. Il doit être en pétard. Ah, y'en a un, y en avait un sur toi. Il est mort. Ah, ça revient encore. Une Jeep ou deux. Ah, GG, les gars. J'en ai eu un. Je sais pas trop comment. Ouais, mais pourquoi il abandonne son Heizer, lui, faut pas faire ça. Donc... Ah oui. Ah bah je comprends mieux, il y a un type là-haut. Ah, ils sont deux. J'en ai tué un sur la toiture. Ouais, il y en a un autre, un anti-char à gauche. Ici. Tu t'en es sorti, Warky? Ouais, oh, ouais, putain, j'ai... Super. Ouh, il y a un Stuart qui arrive. Ouais.
On va l'accueillir à l'allemande. Ah, zut! Dans la maison à droite. Maison à droite. Ouais, à côté du blocos, là, il y a une... Pas quoi faire, tu passes par guerre, à mon avis. Pour Erwan. Une petite infanterie, comment? Or Thunder, même 4 qui il est à l'étage encore. Hein. Ouais, ok. On va aller lui régler son compte. Ah, ils vont finir par nous prendre C4. Ils ont toujours un Stuart. Ils sont deux. Au niveau de l'anti-aérien, il y en a un. Alors, il y en a un qui est en train de nous ramener un APC de derrière C3, mais un de chez nous. Hein. Profitez-en. Ok. Ah, ils prennent le dessus, ils prennent le dessus. Mais on va perdre C4 là. Ah oui, merde. On a perdu. En 4. Il y a un Stuart. Il y a un Stuart à leur bout du pont et un Stuart à côté. Ah, si voir qui est spawnable, je vais en profiter. Ah ouais, je suis hyper loin, mais ça passe. Hyper loin, ça va. Par contre, tu te fais tirer dessus. Oula, ça tire, ça tire. Il y a un Stuart pas loin, hein. Ah, il est là. N'ayez pas peur. Il commence à aller vers le comico. Ouais, je vais y rester. Pas sûr, voilà. Ouais, fais gaffe là, le Warki, le Stuart, ah, il te cherche. Il n'a pas l'air très bon, le pilote. Il a fait une tentative de sortie de tête. Ouais, j'attends que tu meurs pour respawn en fait. Ouais. Ah, il y a une infanterie qui arrive en véhicule civil. Okay. Ils ont l'air plusieurs. Hein. Sur okay. C4. Le Stuart te cherche, hein, mais bon, t'es assez loin. Les fantassins sont encore derrière ou pas du coup? Je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout. Par contre, le Stuart, il se rapproche de toi dangereusement. Ouais. Ouais, ok, camion civil, ouais. Putain, j'ai le camion civil qui est derrière. Et puis là, je suis à pied. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis je vais me promener tout là-dedans. Ouais, moi je vais me rapprocher de ces quatre comme ça. Ils vont peut-être te lâcher comme ouais, ça. Ouais, Stewart, non, il regarde, non, le bâtard. Il y a un Stewart A1. Et il redescend le Stuart. Non, ah ouais, bah ouais. C'est le camion civil qui m'emmerde derrière. Je peux regarder s'il est encore là ou pas. T'as une Jeep qui arrive aussi. Ouais. Principal. Je pense que l'info. Il y a du monde qui arrive à O1 maintenant. Je vais essayer de leur foutre de la pression à C4. On est 2-2. J'arrive. Allez, moteur capote. Le Stuart, je vais le casser. Hein. On va reprendre C4. Non, on reprend plus C4. Devin. Oh putain, encore là le bâtard. Non, mais c'est dingue, hein. Franchement, il va pas me lâcher le bâtard. Ah non. Tu peux être sûr qu'il y a le microphone avec le camion civil. Ouais, mais encore là. C'est exactement t'es où, hein. Je suis tout seul sur C4. Ah ouais. Je me suis fait atomiser la tronche, hein. 1-3. Bon, pour corpérer. Ça va pas tard, mais... Ouais, je me rep. Je suis toujours 1-4 sur C4. Oh, reste au volant si tu veux, je te répare. Ah bon, c'est fait. C'est bon. 1-3. Ah, t'as le camion civil derrière, faut qu'on descende. Regarde, on va l'avoir à deux. Essayez de venir vers C3 ou sur C4. Ah, c'est un GG. On a un autre qui arrive un peu plus loin. Je recharge.
Le Stuart est toujours sur C4? Ouais, ouais. Ah ah. Tu peux t'en occuper? J'ai essayé, avec mon sniper, oui, j'ai essayé. Ah bah ouais, tu vises les chenilles. Oh, Jeep! Ouais, je vois. Et voilà, ah bah, qui tombe. C'est War Thunder, il t'en veut, lui, hein. Ah oh, putain. Ça. Bon, vas-y, on a perdu Eagle, Komiko. Ah, chiotte. Et ils sont 4, ils ont soit un APC, soit une Jeep qui est arrivée, mais... Merci en tout cas. De rien, c'était un plaisir. Bon, vous avez plus besoin de rester à Roi, hein. Faut venir au Komi. Ouais, on va rapatrier le... l'APC. 3, 5, je sais pas d'où ils sortent, mais ils sont nombreux. J'arrive, j'ai un bon, ils reviennent. Ils ont de l'APC? Non, ils ont pas d'APC. Ah si, ils en ont. Ils ont de l'APC. Ils sont très nombreux dans le bâtiment très haut. Okay. Côté rivière. Ah, et maintenant ils ont le spawn à côté donc. Six, quatre. Ah, ça redescend, ça redescend. On a un puma, c'est bien. On va bien faire le ménage. Il en reste deux. Char. Ah, Stuart, putain. Bobby. Ah, et le Stuart, il est rentré. Il va rentrer sur son micro. Oui. Il est mon côté. Quel mon civil? Là. Je vais tenter les Panther Pouce. Wouhou. Attention. Je vais l'écraser. Non, bah, ça rigole. Mais Warki, fais gaffe, il y a le char juste là. Ah, je le vois. Ouais, lui, il t'a vu. Ah, bah, lui aussi, t'as vu. Ça, c'est plus inquiétant. Il a de bons yeux, le gars. T'as des Américains sur toi. Ah, ils arrivent depuis la ligne. Depuis la ligne E ou quelque chose comme ça. Deuxième Stuart, peut-être, devant l'église. Oh, ils nous ont piqué un Hitzer. Ouais, ouais, bah, depuis tout à l'heure, j'essaie de le tuer. Par contre. Dire, il était devant le commis. Il est presque pété. Ouais, bah oui. Il est pété. Bien joué. Bon, il est où le Stuart? Ah, ouais, ah, Jordan BR là. Celui-là, j'ai des petits doutes sur ce gars-là. Ouais, faut mettre riche piratage alors. Ce serait pas impossible. Comment qu'il s'appelle déjà, t'as dit? Jordan BR. Ouais, il a toujours des tirs très 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 bien placés. Oh, c'est un colonne, je suis placé à E4, on a trouvé leur APC. Il y a un Seaward dans le point. Bon, on a perdu le com. Là, ça va chier. Avec l'APC. Là, oui, il est craqué. Jeep qui arrive sur la droite de l'église et je lag un peu. Ouais, moi aussi je lag un petit peu aussi. Bizarre. Tu l'as eu? Non. Malheureusement. Ça y est, tout le monde se met à voler des chars alors ici. Ouais, l'église, à mon avis, il est tout seul peut-être. Il y a l'église qui tombe. Ah ouais, pour retourner à l'église, ouais. Ouais, merde, l'autre. Ah, il y a un char. Un autre char, si tu veux t'en occuper.
Et près du commissariat, entre l'église et le commissariat. Ah, super. Ah, il a filé. Bon, j'aille dans quelle direction? Oh non. C'est près d'une requête, pourtant. Peut-être contraint à l'église. Hein. Attention, à 4, j'ai vu un américain là-bas. Apparemment, il y en a passé pas loin. Il y a un allié qui m'a tiré une roquette. Oui. Ouais, je vois. Un teubé. Il s'est fait assassiner par les américains. De partout de vous. Oh no. Ah les bâtards. C'était quoi? T'avais voulu un steward? Ouais, j'avais voulu un steward. Oui. Il a voulu un steward. C'est bien. Il y en a un qui doit être dans la maison sur la droite. Ah, mais c'est non spawnable. À chaque fois, je me suis tué. Je m'en occupe, est-ce qu'il. Com 4-2 au com 4-1 5-1, on va le reprendre 2 minutes avant la fin, c'est super. C'est là, hein. Attention, en bas, j'ai eu le type. Il y a une jeep qui monte à l'église. Ouais, oh, il y a un char qui arrive aussi. Bien, du coup, pour principal 5-2 qui venait 5-2. De l'église. Oh, on a gagné là. Je pense, ouais. Oh, le bâton. On l'a jamais vu arriver. Lui. Ah, j'étais pas prêt. Hein. Ah, c'est bon, on a le point, c'est cool. Quand même. Où je croyais un char aussi. Ouais, c'est un steward, il m'a dégommé une unité de force. Bon, oui. Un commis. Quelques secondes. Oh. Ah, crotte. Ah, j'ai essayé 10 balles, ça n'a pas marché. Bon, après. Il est mort ou pas, Ido? Non, le char il est fumant noir, mais il est pas ouais, mort. Il est là. Il est bien amoché, mais il est encore là. Ah, là il a. Bah, il est capote. Il est capote. Attention. Oh. Ah, je sais pas. Les fenêtres en haut. Bah, franchement, ouais. Ah, un rez-de-chaussée. Enfin, presque. Il y a l'escalier pour aller vers à l'étage. Faites gaffe. Dans le bâtiment principal du commis. Je vais balancer une greu. Allez, pipi. On a eu un. On est bon. Il en reste un. C'est impossible qu'il gagne. Eh ben, il n'y en a plus. Tu devrais te laver les mains, t'as de la mousse sur les doigts. On va faire ça. Bon. C'est pas une bonne idée, la grenade. Ah oui, mais comment dire, ma molette, elle fait petite fonction, alors voilà. Merci. Ouais, c'est, ça fait peur. Je vais te soigner. Et là, tu sors une grenade et tu les dégoupilles. On voit que tu n'utilises pas beaucoup de papier pour t'essuyer.
Je suis écologique et c'est pour la planète. Oh, c'est bien. C'est bien que tu t'es récupéré.